Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui a comme sujet les flammes jumelles. Car en effet, c'est un phénomène en tout cas, je trouve, qui est très souvent abordé, peut-être de façon assez erronée, mais qui est à la mode en ce moment, hein, parce que je vois. Et j'ai beaucoup de, parfois aussi de commentaires, et je vois sur d'autres sites, beaucoup de personnes qui prétendent avoir rencontré leur flamme jumelle et être dans des fois des états de souffrance parce qu'on vient de se séparer de sa flamme jumelle, alors qu'on trouvait ça absolument fantastique de l'avoir retrouvée. Effectivement, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien d'aborder peut-être ce sujet en profondeur. Concernant les flammes jumelles, en tout cas de vous transmettre ce que moi j'ai pu voir, mon expérience à travers des sorties hors du corps, sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, ce que certains frères des étoiles m'ont montré concernant les flammes jumelles, ce qu'il en était réellement, pour pouvoir vous les transmettre. Alors évidemment, je pense que je risque une fois de plus d'en choquer quelques-uns parce qu'il y a des idées toute faite par rapport à ça, et ça va pas forcément dans le sens de ce qui est raconté en ce moment dans la plupart des cas, en tout cas qui concernent les flammes jumelles. La flamme jumelle, qu'est-ce qu'elle est réellement? Alors, vous savez, ça va pas être très long pour raconter ça. Il faut partir déjà du postulat que ce n'est pas du tout, en tout cas à travers ce que moi j'ai vu sur un autre plan, la rencontre d'une flamme jumelle. C'est pas du tout, ça a même strictement rien à voir avec ce que l'on croit qui se passe sur Terre. Parce que la rencontre avec une flamme jumelle, la rencontre, la réunification, la fusion d'une flamme jumelle, ça ne se fait pas sur Terre. Ça va se faire sur un autre plan. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand deux âmes qui ont été séparées pour vivre, on va dire, chacun de son côté, leur expérience pour venir nourrir le super-être, on va dire, la super-âme qui s'est divisée à un moment donné, quand ces deux âmes auront terminé. Entendez bien, écoutez bien, parce que c'est très important. Quand les deux âmes, les deux êtres, auront terminé leur cycle d'incarnation et d'évolution sur cette planète, c'est-à-dire quand elles sortent du cycle des réincarnations, elles vont refusionner en une seule âme, mais sur un autre plan, dans une autre dimension. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est. Alors, je vais essayer de le décrire le mieux possible, parce que y a le décrire et le vivre. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu ce que c'était, cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre le raconter et le vivre expressément. C'est vraiment complètement assez différent parce qu'il n'y a pas le ressenti, il n'y a pas la vision des choses. Moi, je l'ai vu ça. J'ai eu la chance, ils me l'ont montré, les êtres de l'espace m'ont montré clairement ce qu'il en était, effectivement, peut-être pour clarifier certaines choses. Alors, quand les deux âmes ont terminé leur cycle d'incarnation sur cette planète, alors ça ne veut pas dire que, attention, elles ne se rencontrent pas sur cette planète. Elles peuvent se retrouver sur cette planète, évidemment, sans pour autant former un couple, bien évidemment. Dans certains cas, par exemple, la flamme jumelle sera peut-être la mère ou le père de la personne, ou le cousin, ou le fils, peu importe. Et ça peut être des flammes jumelles. Ils ont peut-être aussi, dans d'autres vies, été mariés. Mais c'est bien au-delà du mariage et du couple. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un avec qui vous fusionnez, vous êtes super amoureux, c'est vraiment la réunion d'âmes sœurs ou d'âmes compagnes,
et avoir votre flamme jumelle, par exemple, comme étant votre mère ou votre arrière-grand-mère ou votre cousin ou un inconnu, enfin quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, que vous allez peut-être croiser un jour. Mais ça ne va pas forcément faire un couple, hein. Pas du tout, ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est pas dans cette notion-là que ça se passe. C'est vraiment, vraiment quand on a fini ce cycle d'incarnation. Alors, croyez-moi, sur Terre, sauf si vous êtes d'un niveau d'un maître de Shambhala ou d'une nature bouddhique ou christique, vous n'avez pas terminé votre cycle d'incarnation. Alors, n'allez pas non plus vous imaginer que c'est fini ça. De toute façon, une personne qui a terminé son cycle d'incarnation ne le dira pas. Hein? C'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose qui se passe dans l'humilité et dans la réalisation. Donc, déjà, par rapport à ça, il faut se calmer. On a tous notre karma encore à purifier, on a encore beaucoup de vie à vivre, on continue notre cycle d'incarnation et c'est normal. Néanmoins, pour une âme, pour des personnes qui ont vraiment terminé leur cycle d'incarnation, pour des âmes qui ont terminé ce cycle sur cette planète, elles vont se retrouver à la fin dans l'univers, on va dire quelque part, dans une dimension où elles vont refusionner. Et quand cette fusion a lieu, c'est ce qu'on peut appeler les noces cosmiques, il y a vraiment une explosion, on va dire, de lumière, pour essayer de vous définir ça. La réunification de ces âmes en une, ça fait une déflagration de lumière, d'amour, de je ne sais pas comment décrire ça, parce que c'est assez puissant, hein. On entend le tonnerre qui gronde, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça tombe bien d'ailleurs, parce que ça fait une espèce de coup de tonnerre cosmique, quelque part, mais que du positif, évidemment. Et à la fois, c'est la fusion de toutes ces connaissances accumulées qui vont rejoindre aussi le grand tout, le grand un, ou appelez la grande conscience divine, vous appelez ça comme vous voulez, et qui va répandre tout cela, ça va être retransmis. Hein, il y a comme s'il y avait une transmission à l'échelon cosmique de toutes les connaissances, des milliards de connaissances accumulées. C'est une redistribution. Alors peut-être qu'on pourrait comparer ça, bon c'est pas le cas, je pense pas, à une supernova ou à quelque chose de ce style-là, mais ça peut ressembler à ça quelque part. Moi ce que j'ai vu, ça ressemblait un peu à ça, à la création de nouveaux univers quand les âmes se retrouvent. Ça crée véritablement un nouvel univers, avec ses mondes, ses soleils, ses galaxies, ses systèmes solaires et tout ce qui en suit, avec son intelligence. Vous voyez, ça tonne vraiment beaucoup. C'est pour vous montrer à quel point on est loin du compte de ce qui se passe sur Terre quand on prétend avoir retrouvé sa flamme jumelle. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Cette dimension cosmique, de noces cosmiques, et ça permet aux âmes qui se sont réunifiées de passer sur un autre plan dimensionnel, à un autre niveau, et de continuer son cheminement, son évolution à un niveau qui nous dépasse complètement. C'est ça la différence, c'est là est la grande différence. Voilà ce que sont, en tout cas ce que moi j'ai vu d'une flamme jumelle. Strictement rien à voir avec ce que l'on prétend sur Terre. Wow. Les dieux sont en colère. Ce que l'on prétend sur Terre. Et je laisse le tonnerre passer. L'approbation des dieux. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, moi, sur cet autre monde. Donc, mais c'est quelque chose de fabuleux, parce qu'il faut le vivre, il faut le voir. Hein? Il faut vraiment, quand vous voyez ça, quand vous vivez ça, quand vous êtes spectateur de cette noce, de ce qu'on appelle vraiment des noces cosmiques, c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Hein? Et là, j'essaie de vous le traduire avec des mots, mais
quand on voit cette expansion de la conscience et cette nouvelle création, c'est une naissance quelque part, une noce et une naissance en même temps, sur un autre plan, avec tout ce que ça engendre au niveau des univers, une expansion encore de la vie. Peut-être que c'est abstrait, peut-être que ça vous parle au fond de vous, parce qu'on a quand même cette notion, ça peut réveiller quelques mémoires en vous, hein. Vous dire si ça vous parle, ça correspondra, ça veut dire que vous avez une mémoire qui s'est réveillée. Mais c'est quelque chose de fabuleux. Et je vais essayer par la suite peut-être d'en parler un peu plus de ces choses-là. Mais voilà ce que c'était. Voilà ce que sont la réunification des flammes jumelles. L'union, la fusion, le mariage, la noce cosmique. Voilà comment ça se passe, en tout cas, c'est ce que moi j'ai vu. Donc, quand on parle sur Terre que j'ai retrouvé ma flamme jumelle, et puis elle m'a quitté, alors elle ne va pas vous quitter, ça n'a aucun sens. Du moment où vous êtes réunifié, elle ne vous quittera pas. Ça n'a aucun sens. C'est, vous voyez, ce n'est pas du tout ça. Voilà. Par contre, dans ces cas-là, ok, ce sont des âmes, il y a du karma. Vous retrouvez une personne à qui vous avez sûrement une dette karmique ou une relation karmique que vous êtes en train de revivre, et voilà, et c'est intense. Alors ça n'enlève pas de toute la beauté, de toute la profondeur de ce genre de rencontre, hein. D'âme compagne ou d'âme de relation karmique, on se retrouve, on vit quelque chose d'intense, et puis on se sépare parce que l'histoire est finie, peut-être, on passe à autre chose, peu importe. Ça, il y en a plein, tout temps ça a existé. Mais ce n'est pas du tout les flammes jumelles, ça n'a rien à voir, du tout. Donc je pense qu'il était nécessaire peut-être de clarifier une bonne fois pour toutes, parce que ça part un peu dans tous les sens, et maintenant on va vraiment essayer d'aller dans la clarté, dans la lucidité, dans l'exactitude des choses, de ce qui se passe. Sinon on part dans tous les sens et on se perd, en fin de compte. Et ça serait bien peut-être maintenant, effectivement, de retrouver un chemin spirituel le plus authentique possible. Voilà, alors j'espère que je pense que je vais heurter beaucoup de personnes, hein, parce qu'il y en a qui sont ancrés dans leur certitude, qui ont dit « Oui, mais il y a une autre personne qui dit ça, qu'est-ce que vous pensez de ça là ? Cette personne-là, là, elle a écrit des livres par rapport aux flammes jumelles, alors c'est faux, c'est pas vrai. » Moi, je transmets, je vais pas donner mon avis sur les personnes qui prétendent parler de flammes jumelles, d'âmes sœurs et compagnie. Je vous donne, moi, mon expérience, vous en prenez si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, ben, vous rejetez. Voilà. Hein, mais en tout cas, ne me demandez pas mon avis, je viens de vous le donner, mon avis. C'est mon expérience, en tout cas. Après, les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent, d'écrire ce qu'ils veulent. En tout cas, voilà mon témoignage de ce que j'ai pu voir. Et croyez-moi, j'ai du mal à vous le décrire mieux que ça. Parce que c'est vraiment difficile. Mais imaginez vraiment, vous voyez... un univers qui se crée spontanément dans l'univers à chaque fois. Enfin, qui se crée dans l'espace, sur un autre plan, sur une autre dimension. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. Et si ça vous a intéressé, ben, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Et si ça vous plaît encore plus, de vous abonner à ma chaîne en activant la clé des notifications. Voilà, allez, je vous laisse et je vous retrouve pour une autre vidéo qui va être très très importante. Notez bien, je vais vous parler de quelque chose de très très important qui se passe actuellement sur Terre et qu'il va falloir être très très vigilant. Alors soyez présents pour la prochaine vidéo, on va parler d'actualité, une actualité très spéciale, donc je ne vous en dis pas plus, mais c'est un message important aussi que je dois vous transmettre. Allez, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.